Alléluia. Bah, bonjour à tout le monde. Hello everyone. Vraiment content de vous voir. We're so happy to see you today. Et une très grande fête aux hommes, à tous nos frères. Voilà, soyez richement bénis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre jour. Today is your day, young men. Alléluia. And we wish you a happy Amen. Day. Et à tous ceux qui ne sont pas masculins. Those who are not of the masculine OK, normalement genre. Vous êtes féminin. If you're feminine, si vous êtes dans la confusion, on va prier pour vous à la fin du culte, you d'accord? You need to know what you are. If you're in confusion, we'll pray for you at the end of the si service, Si vous regardez okay? par YouTube, s'il vous plaît, soyez gentils. And if you're watching this by YouTube, please be nice in the comments. Alors, mes amis, quand Dieu a créé l'homme, l'humanité. Listen, God created humanity. Il a fait comme il a fait avec tous les autres espèces. And when he did that, he did the same thing as he did with the il other a fait avec species. Des, avec des girafes, comme des éléphants, comme des chiens. Giraffes or elephants or dogs Il n'y a aucune confusion cats. Dans There la création. There was absolutely no confusion at creation. Un éléphant mâle ne se voit pas comme, comme un éléphant femelle. A male elephant doesn't consider itself a female elephant. Le seul endroit là où il y a de la confusion dans la, sur la planète, c'est parmi l'humanité. The only place where, where there is confusion is in the human race. Seul avec l'espèce qui est capable de péché. It is the only species capable of sinning. Donc, si vous voulez vous débarrasser de la confusion. So, if you want to get rid of confusion. Hello. Arrêtez péché. Voilà. C'est solution est simple. The solution d'accord? is actually quite simple. Voilà. Donc, aussi, on est vraiment privilégié ce matin et d'avoir avec nous quelques visiteurs. We are very happy to see some visitors with us today in the room. Et en présentiel. Here in this place. Donc je suis marché juste devant eux, juste avant de prendre le podium, je les ai pas reconnus avec le masque. I walked in front of a couple of friends and I didn't even recognize because of their masks. Mais on a une jeune femme qui est ici avec son mari et son enfant. We have... Marie, autrement Jaffrin. Et désolé Marie, je me souviens plus ton nom de famille, ton nom de mariée. Murcia. Murcia. Voilà, est-ce que vous pouvez vous lever tous les Let's deux? Welcome est-ce Marie que vous voulez bien les accueillir? Long time friends from their son. We're happy to have you. Magnifique. Alors, vous êtes vraiment magnifique. Merci d'être Wonderful avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on here. Aura quelques instants de partage I à la fin. I hope to get to see you after the service. Le papa de Marie Jaffrin. Bon, je dis Jaffrin parce que son papa était le tout premier président de l'association de l'Église. Marie's father was the very okay. first president voilà. of our association when this church was created many years ago. Lorsqu'on a fondé l'Église du Bon Berger, when the church was started, son papa était un très proche collaborateur avec moi. He was one of our co-laborers, colleagues. Un homme d'affaires. Very close to us. He was a businessman. Et je is. Ne parlais pas un mot de français à l'époque. At the time, I didn't even speak French. Et lui parlait deux mots en anglais. He spoke two words in English. Donc, mais par la grâce de Dieu, on est devenus amis. But we became friends nonetheless. Et c'est lui qui a en fait fondé l'association. Sur laquelle nous avons construit l'Église. And he is the reason we have an association voilà. today est-ce, in this church. Est-ce que peut-être on peut remercier le Seigneur we et aussi son papa Eric. Amen. Amen. OK, on va plonger tout de suite dans la parole de Dieu. Let's dive right into the word et of il God. Y a quatre passages que j'aimerais lire. We're going to read four scriptures to start with. Tous les quatre du Nouveau Testament. All of them are in the New Testament. Le premier, ça provient de 1 Corinthiens 11. And the first one is found in 1 Corinthians chapter 11. Et le verset 3. We're going to read verse 3. Please follow along in English. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de toute la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Okay. En 8 secondes. In our next text, Colossians chapter 1, verses 18 and 19, we'll read in French. Maintenant, nous allons lire en français Colossiens, si il veut bien s'ouvrir. Colossiens 1, 18 à 19. Voilà. Il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Est-ce que c'est comme des cœurs, certains, parfois, on c'est touche possible, et ça réagit c'est pas? C'est possible, ma chérie. Non, mais ça dort, quoi. C'est refroidi, quoi. On peut lire peut-être sur l'écran, voilà. ma chérie.
Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. OK, et verset 19 aussi. Suivons. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. OK, c'est tout? En 19, oui. OK. Et verset 20 dit quoi? On va compléter la phrase avec le verset 20 sur l'écran. Si vous suivez, please follow along in English. Just say it in English, I'll translate word for word. Okay, from which the whole body is joined together. Tout le corps tire l'unité and grows into the increase in God. Et grandit dans l'accroissement ou l'augmentation en Dieu. Okay, now 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthiens chapitre 12. And we're going to read verses 23 and 24. Nous allons lire du verset 23 au 24. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Okay, and to finish Ephesians chapter 4, verse 15. Éphésiens 4, verset 15. Pour terminer la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui, sur l'écran, parce que, évidemment, mon iPad n'est pas... But speaking the truth in love... Professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Okay. For the better part of the last 2,000 years... Depuis environ 2000 ans. The church has either mistranslated all of the verses regarding women... L'Église a mal interprété, mal traduit les versets concernant la femme. Or they have just simply chosen to ignore them. Ou bien ils ont choisi d'ignorer la vraie signification okay. Now, des and mots. And you may know the references I'm speaking of. Et peut-être vous savez déjà de quoi je parle. 1 Corinthians 14, let the women keep silence in the church. 1 Corinthiens 14, où c'est marqué que okay. Les femmes se taisent. 1 Timothy chapter 2. I do not allow women to exercise authority over men. Je ne permets pas aux femmes d'exercer l'autorité sur les hommes. And there are many, many more. Et il y en a plein comme ça. Now, something deep within our heart says, no, there's equality in grace. Mais maintenant, il y a quelque chose dans les profondeurs de nos cœurs qui disent, mais non, il y a l'égalité. And so either one, we decide to ignore those verses that speak about women. Alors, soit nous ignorons ces versets qui parlent des femmes. Or we go a more traditional route and we impose a kind of slavery upon women in the church. Ou nous suivons les traditions des siècles et nous imposons l'esclavage sur les femmes dans l'Église. And so women can be entirely free out in the world. Donc les femmes ont la liberté dans le monde. But they come back into the church. Mais revenant à l'Église. And they find themselves in a system that was established during the Middle Ages. Elles se retrouvent dans un système établi depuis le Moyen Âge. Well, now for those of you that have been following me on Tuesday nights for what we've called in French the plongée profonde. Pour ceux qui ont suivi les mardis soirs l'étude biblique qu'on appelle la plongée profonde. You know that for the last month and a half, we've been discussing these verses. Vous savez que depuis un mois et demi environ, nous discutons ces versets. If this is new to you, then I do encourage you to go to our YouTube channel. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous encourage à regarder notre chaîne RKB YouTube. RKB Ministries. RKB Ministries. Okay, and it's season number 2, and it's from episode number 7 onward. Et tout cela est enseigné en saison 2, épisode 9? 7. 7 et la suite. Now, I have to introduce to you a brand new word into the French language. Maintenant, nous allons introduire un nouveau mot dans la langue française. This is absolutely essential. C'est essentiel. And I do apologize to all of you who dearly hold to the sanctity of the French language. Je m'excuse déjà auprès de ceux qui chérissent la langue française. I know that I am not a member of the Académie française. Je sais que je ne fais pas partie de l'Académie française. But did you know that there are roughly 470,000 words in the English vocabulary? Mais savez-vous qu'il y a environ 470 000 mots dans le vocabulaire anglais? There are only 116,000 words in the French vocabulary. Mais seulement
116 000 mots en français. Non, mais. Okay, so in other words, there's more than three times the number of words in the English vocabulary. D'autres termes, il y a trois fois plus de mots en anglais qu'en français. Now, don't think for a moment that I think English is superior to French. Ne pensez pas que je considère l'anglais supérieur au français. The fact that the French can say more than English people with fewer words is a credit to the beauty of their language. Le fait que le français peut dire plus avec moins de mots est formidable. Now, I know some of you are already wondering, well, I wonder what language in the world has the most words. Et peut-être certains vous vous demandez, mais quelle langue du monde a le plus de mots? It is the Finnish language. C'est la langue finlandaise. With over 800,000 words in their vocabulary. Avec plus de 800,000 okay. mots. So, now, when we talk about the head, maintenant, nous avons lu des versets, and that is what this message is about. De la c'est l'essentiel de mon message. Our key verse is the first one we read, 1 Corinthians 11:3. Le verset clé, c'est ce qu'on a lu en premier, 1 Corinthiens 11:3. Now in the French language, it says that God is the chief of Christ. En français, il est marqué que Dieu est le chef de Christ. That Christ is the chief of man. Que Christ est le chef de l'homme. And man is the chief of the woman. Et que l'homme est le chef de la femme. This is a complete mistranslation of the text. C'est un mot qui mal traduit. Complete mistranslation. Totalement. Because the text in Greek does not say chief. Parce que le texte d'origine ne dit pas chef. It is literally that part of your physical anatomy that sits between your two shoulders. Il est en fait le mot qui décrit cette partie de votre anatomie qui est entre les deux épaules. It is your votre head. Tête. So the real word in the Greek text le is head. En grec est tête et non okay. chef. God is the head of Christ. C'est-à-dire que Dieu est la tête de Christ. Christ is the head of man. Christ est la tête de l'homme. Man is the head of the woman. Et l'homme est la tête de la femme. The problem is there is no concept in the French language for giving that any kind of sensible meaning. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de concept dans la langue française qui peut bien décrire cela avec okay. précision. So what happens often is that we mistake it for the word Lord. Alors souvent on fait l'erreur et on emploie le mot Seigneur. Now, fortunately for us, the word Lord is exactly the same in Hebrew, Greek, French and English. Heureusement, le mot Seigneur est le même en hébreu, en grec, en français et en anglais. Okay. Lord basically is a word regarding hierarchy. Le mot Seigneur parle dans le contexte d'une hiérarchie. And the guy that is at the top, he is the Lord. Et celui qui est au sommet de l'hiérarchie est le okay. Seigneur. And he is first, not only in rank, but he is also first in value. Il est le premier en rang et en valeur. He has a higher value than everyone who is below him. Il a une valeur plus élevée que les gens en dessous. Okay, and so when the Lord gives an order, alors quand le Seigneur donne l'ordre, or let me just say it this way. When the Lord has a vision, quand le Seigneur reçoit une vision, those who are below him, ceux qui sont en dessous, must help nourish the vision of the Lord. Doivent alimenter la vision reçue par le Seigneur. Okay, this is not a democracy. Il s'agit pas d'une démocratie. It's a dictatorship. C'est carrément un dictateur. And in a dictatorship, there is only one who has any vision that has value. Et dans une dictature, il y a une seule personne qui a une vision. And that is the one who is the Lord. Celui qui est le Seigneur. It is his vision. C'est sa vision. His country. C'est son pays. His property. C'est sa propriété. And his subjects. Et ce sont ses sujets. So, in the concept of Lord, if we were to speak about the Lord and the position or the function of the Lord, maintenant, si nous parlons de la position et le fonctionnement du Seigneur, we would say lordship. Nous disons la seigneurie. Okay, and fortunately for us, both Hebrew, Greek, English, and French all concord. Et c'est pareil en hébreu, en grec, en anglais, en français. Ouf. But here's the problem with the word head. Mais voici le problème avec le mot. Is not the same thing as tête. Lord. Ce n'est pas du tout la même chose que Seigneur, déjà. At all. Du tout. And hopefully, we'll be able to explain the difference today. Et j'espère pouvoir expliquer la différence aujourd'hui. The man is never called the Lord of the woman. Parce que l'homme n'est jamais appelé le Seigneur de la femme.
He's called the head of the woman. La tête. C'est pas la même chose. And so when it says that the woman must be submitted to the man, donc quand la Bible dit que la femme doit se soumettre, she is never submitted to his lordship. La femme n'est pas soumise à sa seigneurie. The woman only has one lord. Parce que la femme n'a qu'un seul seigneur. And his name is Jesus. Et il s'appelle Jésus. It is not George. Ce n'est pas George ou quelqu'un d'autre. Or Fred or whatever the name of your husband is. Ou le nom de votre mari. Your husband is not your lord. Il n'est pas votre seigneur. Okay, I heard two or three amens. I expected a few deux more, trois but amens seulement. We'll continue. On All right. Du boulot, là. So we have to understand the difference between a head and a lord. Donc, il faut comprendre la différence entre la tête I'll show et you some of these in just a moment. Je vais vous montrer cela. But follow me when we talk about this new word that I'm bringing into the French language. Suivez-moi maintenant pour inventer ce okay. nouveau mot. Just as we looked at the word lord, comme nous avons considéré le mot seigneur, and the position or the function of the lord, we say lordship. Et la position, le fonctionnement du seigneur est So I want you to think of the same thing regarding the word head. Pensez la même chose maintenant concernant le mot tête. So when we speak about the position or the function of the head, quand nous parlons de la position ou du fonctionnement we will, de la from now tête, on, use a brand new word in French. Nous allons désormais utiliser un nouveau mot en français. Headship. La têterie. C'est pas mal, hein? Now, I know that sounds strange je to your French ears. C'est bizarre à vos oreilles, je le sais But très bien. But trust me, mais faites-moi confiance. The more you hear it, the more it will make sense. Plus vous entendiez ce mot, plus ça va And the more you understand the meaning behind the word, plus vous compreniez la signification. You'll come to the same conclusion that I came to. Plus vous arriverez à la même conclusion. That there is no equivalent word today in the French language. Aucun mot dans la langue française est l'équivalent de ce mot. It does not exist. Ça n'existe pas. So we have to create one. Donc il faut l'inventer. Or we accept staying in confusion until Christ returns. On choisit de rester dans la confusion jusqu'au retour du Seigneur. I refuse to be in confusion. Moi je refuse la confusion. So if a word and a concept doesn't exist, alors si un mot et un concept n'existent pas dans but ma it's langue, in the scripture, mais je trouve ce mot, we have no other choice but to create a word that does not yet exist. On n'a pas de choix, on doit inventer un mot qui n'existe pas. Hallelujah. Merci Seigneur. So leave it to an American named Robert to do the same. On va permettre un Américain de le faire. So what is headship? Le sujet d'aujourd'hui, quelle est donc la têterie? Okay, it carry, first, the first thing you have to understand about a head is that it absolutely needs a body. Première chose, la tête a toujours besoin d'un corps. As a matter of fact, you can say the head depends upon the body. En fait, on peut dire que la tête dépend du corps. A head cannot live without a body. Une tête ne peut pas vivre sans le corps. If you cut off my head, si vous me décapitez, and maybe that's why we don't have the word headship in French, because we have the guillotine. Peut-être I don't know. Il n'y a pas têterie en français. Just a thought, okay? Just a thought. C'est une pensée, une idée. But if you cut the head off from the body, mais si vous décapitez, both corps, die. Les deux vont mourir. Now we read several texts. Nous avons lu that are all mistranslated in the Louis Segond because we don't have the word head. Mal traduit en Louis Segond. But I encourage you to go back and reread them after this message. Je vous encourage à relire ces versets après le message. One of the best is 1 Corinthians chapter 12. Un des meilleurs était 1 Corinthiens 12. Which is an explanation about the body of Christ and how the body functions. Qui décrit justement comment fonctionne le corps de Christ. And in verse 22, it actually says this. Et dans le verset 22, la Bible dit ceci. The head, and who is the head of the body? La tête, et c'est qui la tête du corps? Jesus. Jésus. The head cannot say to the foot, la tête ne peut pas dire au pied, I have no need of you. Je n'ai pas besoin de toi. So right there we have one of the most important recognitions of what of the difference between lordship and headship. Donc là déjà nous voyons la différence entre la seigneurie et la têterie. Okay, now because of the cameras I can't stand up right now, but if I could, je peux me lever maintenant, mais si je pouvais. You would understand why Paul used the word foot. Vous comprendrez pourquoi Paul a utilisé le Because mot pied. Because when you're standing, it's the furthest part of your body from the head. Parce que quand on est debout, le pied est le plus loin, la partie la plus loin du corps. And it is the part tête. Of the body that is the most submitted to the head. Et c'est aussi la partie du corps le plus soumis.
But if you cut off the 2 feet, mais si vous coupez les pieds, the body can no longer stand. Le corps ne peut pas se tenir debout. So the head, alors, la tête, recognizes the importance of the foot. Reconnaît l'importance des pieds. And what does the head do? Et qu'est-ce que fait la tête? And this is beautiful because we read this in verse 24. Nous l'avons lu dans verset 24. That God has so created the body, Dieu a créé le corps, in such a way that the parts of the body that have the least amount of honor, d'une telle manière que les parties qui ont le moins d'honneur, are actually given the most amount of honor by the head, sont les plus honorés de la tête, in order to lift it up, afin de lever le corps, élever le corps. La partie du corps. And so the way that the head functions, alors, le fonctionnement de la tête, which is completely different than the Lord, est complètement différent, you see, que le a Lord demands homage and service. Parce que le Seigneur exige l'hommage et le service. The head functions almost in an opposite manner. Et la tête fonctionne presque d'une manière the head will always exalt and give even more honor la than the head. La tête exalte les autres parties du corps et donne plus d'honneur aux autres parties. I want you to really get that really, really clear. Mais saisissez cela, mes amis. Okay. Now, in the relationship, headship begins with God. La tête commence okay. avec Dieu lui-même. Scripture said God is the head of Christ. La Bible dit que Dieu est la tête de Christ. And so all headship begins in the relationship between God the Father and God the Son. Alors toute tête commence dans cette relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. The relationship between God the Father, God the Son becomes the template for all examples of headship that follow. Cette relation entre le Père céleste et le Fils est notre modèle pour tout ce qui concerne la tétrie. Now, what you have to understand when you read the scriptures, ce qu'il faut comprendre quand vous lisez, there are times when God the Father acted as Lord in the life of Christ. C'est qu'il y a des moments où le Père agissait comme Seigneur dans la vie de Christ. And there are other moments when the Father acted as head in the life of Christ. Mais il y avait d'autres moments où Dieu le Père agissait comme la tête de Christ. Now, there are no chapters that start off with a heading that says, now God is acting as Lord. Mais il n'y a pas de sous-titre qui dit maintenant Dieu agit comme Seigneur. You have to look at what is happening in that relationship. Il faut regarder ce qui se passe dans la relation. To discern the difference between the lordship of the Father and the headship of the Father. Afin de discerner la différence entre la seigneurie du Père et la têterie du Père. Okay. Let me give you just one example, je if I can. Je vous donne un exemple pour l'instant. In the garden, when Jesus is praying, dans le jardin de Gethsemane, quand Jésus prie, and he says, Father, if it be possible, let this cup pass from me. Il prie ceci, Père, si c'est possible, enlève cette coupe. But not my will be done, mais pas ma volonté, your will be done. La, ta volonté soit faite. In that moment, Jesus is recognizing the lordship of the Father. À ce moment-là, Jésus reconnaît la seigneurie du Père. We find this echoed also in Hebrews, I believe it's chapter 2, verse 18. Je crois que c'est même répété en Hébreux 2. Where it says that even though Jesus was a son, he learned obedience through the things that he suffered. Où c'est marqué que Jésus même en tant que fils a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. So every time Jesus had to learn a new lesson of obedience. Alors à chaque fois que Jésus était obligé d'apprendre une nouvelle leçon d'obéissance. Okay, God was acting in the role of Lord. Dieu agissait comme Seigneur. But there are many other times that God was acting actually in the role of Father. Mais il y avait beaucoup d'autres moments où Dieu agissait comme le Père. And this is best seen in the Gospel according to John. Et ceci est vu dans l'Évangile de Jean, principalement. Okay, now if I can find it, I'll just give you two examples, two verses. Je vais vous donner deux versets comme exemple, si vous voulez. There are so many. Il y a beaucoup. And plus Catherine's thing is not working. Which is wonderful. C'est la chaleur, hein, je pense. And I'm going so fast that... I'm just missing my note as well, so just give me a second here to find it. Mais c'est important okay. de saisir cette révélation. John chapter 5, verse 20. Jean 5, verset 20. There are three verses here. It's not going to work, you're saying? Trois versets, non.
Trois versets okay. à considérer. You need a new iPad, my love. C'était un cadeau. C'est un cadeau. Très bien. OK. John chapter 5, verse 20. Jean 5, verset 20. And we're going to read from... C'est on the screen? Voilà. Oh, 20 to 23. Thank you. Can on you read it out loud? On va lire de 20 à 23. Merci, là-haut. OK, thank you. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera les œuvres les plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 22. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. 23. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils, comme il honore le Père. Okay, that's good. Now, what is the objective of the headship? Quel est donc l'objectif de la têterie? That the Son would be honored. In other words, he would be given value. Equal to the head. Que le fils soit honoré, qu'il reçoive la même valeur que la tête. Okay, this is so important. Et c'est tellement important. Okay, Jesus at times was walking under the lordship of the Father. Par moment, Jésus marchait sous la seigneurie du Père. Here, what we see is something that is completely different. It is the headship of the Father. Mais dans ce verset, nous voyons quelque chose d'autre. C'est la têterie du okay. Père dans la vie de And Jésus. Jesus is saying the objective of this is that you would honor me even as you honor the head. Et Dieu dit que l'objectif de tout cela, c'est que vous m'honoriez comme vous honoriez. Okay, the next, very quick, is John chapter 10, verse 29. Maintenant, Jean 10 et verset 29. Or let's just skip and do verse 30. 30, plutôt, verset 30. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Okay, Jesus is not saying, I am submitted to my Father who is the great one. Là, Jésus n'est pas en train de dire, je suis soumis au Père qui est le grand. That would be recognition of lordship. Parce que ça aurait parlé de la tête de la seigneurie. Jesus dare say in front of the religious people of his day. Et imaginez, Jésus osait dire devant les religieux think de l'époque. Think about it for a moment. Pensez-y. When you see me. Quand vous me voyez. You see my head. Vous voyez ma tête. Because me and my head, we are one. Pourquoi? Parce que moi et le Père, ma tête, nous sommes un. And this, beloved, is our template for headship. Voici le modèle de la vraie têterie. Now, in the same way that Jesus knew the Father both as Lord and head. De la même manière que Jésus connaissait le Père comme Seigneur et comme Père. So too it is given to every man to know Christ as both Lord and head. Chaque homme est appelé à connaître Christ et comme Seigneur et comme tête. But they are different. Mais ce sont d'autres. And the objectives are different. Et les objectifs sont différents. When Jesus acts as Lord in the life of a man. Quand Jésus agit comme le Seigneur dans la vie d'un homme. He expects two things. Il s'attend à deux choses. That the man would bring him homage and service. Premièrement, que l'homme lui offre l'hommage et le service. And most men who come to Christ understand this. Et la plupart des hommes qui viennent à Christ comprennent. They may battle with lordship. Parfois, ils peuvent lutter contre cette But there's rarely confusion. Mais il n'y a pas de confusion à ce sujet. Obey or disobey. Vous avez le choix. It's obéir pretty ou clear. Désobéir. C'est clair. But what about headship? Mais en ce qui concerne la tête. What does it mean for Christ to be the head of a man? Quand Christ est la tête de l'homme. Well, it means the same thing as the Father being the head of Christ. C'est exactement la même chose que quand le Père est la tête de Christ. In the book of Revelations, it's another scripture very misquoted. Dans le livre d'Apocalypse, il y a un autre verset mal cité. Okay, Jesus writes a letter to the church of Laodicea. Jésus écrit une lettre à l'église de Laodicée. And he says in verse 20. Et il dit ceci dans verset 20. I stand at the door and knock. Je me tiens devant la porte et je frappe. And then he says this. Et ensuite il dit ceci. If any man hears my voice. Si un homme entend ma voix. He doesn't say if any person hears my voice. À vrai dire, ce n'est pas vrai de dire à quiconque. He doesn't say if any human hears my voice. Il ne dit pas si un être humain. He says if a man hears my voice. Il précise bien si un homme. This is Christ knocking at the door. Et c'est Christ qui frappe à la porte. And he invites me in. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'invite. I will come into him and have fellowship. Si l'homme invite Christ, il va s'asseoir et avoir la communion. Beloved, this is headship.
C'est ça la tétrie. We see this in the relationship between Jesus and his apostles. Nous voyons cela dans la relation entre Jésus et ses apôtres. In one instance, he says to his apostles, "The servant is not greater than the master." Dans un exemple, il dit à ses apôtres, le serviteur n'est plus pas. If they persecuted me, they will persecute you too. Si on m'a persécuté, on va vous persécuter aussi. This is lordship. C'est ça la seigneurie. But then two chapters later. Mais deux chapitres plus tard. Jesus says. Jésus dit ceci. I don't call you servants anymore. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. I call you friends. Je vous appelle mes amis. This is headship. C'est ça, la Suddenly, Jesus catapulted the 12 out of lordship and into headship. Tout d'un coup, Jésus a catapulté les 12 apôtres hors de la seigneurie et en dans la tête. Hallelujah, amen. Par cette révélation. Praise God. Gloire à Dieu. To be the head Être donc does mean to have preeminence. Veut dire avoir la prééminence. But only preeminence in the idea of having rank. Mais uniquement dans la notion du rang. It does not mean preeminence in value. Pas dans la valeur. The Lord is always has a greater value. Parce que le Seigneur lui-même, il a toujours plus de valeur. But the head does not. Mais la tête n'a pas the forcément plus exalts. De valeur. Il cherche à exalter. That is the nature of the head. C'est la nature okay. de la And tête. And what Christ wants to do in the life of every man Et ce que Christ veut faire dans la vie is establish his headship in that man. Établir sa têterie chez cet homme. How does that happen? Comment ça se fait? It starts with intimacy with Christ. Tout commence dans l'intimité. Just as Jesus had intimacy with the Father. Comme Jésus a eu l'intimité avec le Père. So too, Christ calls to the man to have intimacy with him. Christ appelle aux hommes d'avoir l'intimité okay. avec lui. It means not just simply coming to Christ on a bended knee. Ça veut pas dire seulement venir à Christ. But it also means that as a man, we stand in our place as a man. Mais c'est aussi une question de se tenir comme un homme. With the absolute conviction. Avec une conviction profonde. That Christ is standing right behind us. Que Christ est derrière nous. Lifting us up. Que Christ nous élève. So that we might say, even as Jesus said. Que nous puissions dire comme Jésus a dit. When you see Robert, écoutez, quand vous voyez Robert, you see Robert's head. Vous voyez la tête. Christ. De Robert, Christ. For Robert and Christ are one. Pourquoi? Parce que Robert et Christ sont un. This is the destiny that God gives to every man. Voici la destinée que Dieu a réservée pour tout homme. And to all of my beloved sisters out there. Et pour mes sœurs bien-aimées aujourd'hui. If you truly want to know your place in the church. Si vous voulez vraiment savoir votre place. If you want to truly know your place in the graces of God. Et votre place dans les grâces de Dieu. And in the home. Et dans le foyer. Well, it is dependent upon the man understanding his role as head. Cela dépend la compréhension de l'homme. Que de son rôle de tête. That he is not Lord in the house. Écoutez, l'homme n'est pas seigneur dans le foyer. There is only one Lord in a Christian home. Il y a un seul seigneur dans le foyer. And that is Jesus Christ. Et ça, c'est Jésus Christ. And the woman must obey the lordship of Jesus. Et la femme doit obéir la Even as the man must obey the lordship of Jesus. Tout comme l'homme doit obéir à la seigneurie But God established an order. Dieu a établi cet ordre divin. Hallelujah. And if that order can exist in the perfection of the Trinity. Et si l'ordre comme ça peut exister dans la perfection de la Trinité Between God the Father and God the Son, entre Dieu le Père et Dieu le Fils then believe me, beloved, croyez-moi when I say that it can exist even in the Christian home today. Cela peut même exister dans le foyer chrétien d'aujourd'hui. That my beloved sisters, you can know Jesus as Lord Mes sœurs, bien-aimées, vous pourrez connaître Jésus comme and Seigneur at the same time, et au même temps know your husband as head. Connaître votre mari comme la tête. What is impossible to man Ce qui est impossible à l'homme is entirely possible est tout à fait possible with God. Avec Dieu. But it starts with our brothers. Mais tout commence chez les frères. And God is calling you today, my dear brother. Mes chers frères, Dieu vous appelle aujourd'hui. To not just simply be satisfied to know Jesus as your Lord. De ne plus vous contenter de connaître Jésus comme Seigneur. But to know Christ. Mais connaître Jésus. As your head. Comme votre tête. Amen and amen. Amen et amen. All right. J'espère que ça vous a parlé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quelle révélation. What a revelation. On va attendre que Pasteur Robert et Pasteur Catherine viennent parmi nous. We are going to Vous avez wait. Aimé ça? Do you like the message?
Alléluia. Donc moi, je pensais que j'étais le seigneur de mon foyer. For a while, I thought I was the lord in my household. Donc en tant qu'homme, je prends un sacré coup, en fait. So I was struck by what the message was today. Je croyais que j'étais le boss dans la maison. I think God's doing something. Et en fin de compte, je m'aperçois par rapport à ton message, ça n'a absolument rien à voir. And in fact, I realize it has nothing to do with what you were teaching. Et ça donne en tant qu'homme une autre perspective, une autre saveur par rapport à notre position. This is giving us a whole new perspective of our position. Et la façon dont tu as abordé même la chose à la fin en disant que Jésus-Christ ne nous appelle plus serviteurs mais ses amis. And even what you said at the end that Jesus doesn't call us no longer calls us servants but friends. Et donc je m'aperçois que le fait d'être la tête de mon foyer a quelque chose à voir avec la relation que je peux avoir. Mm-hmm. So I realize that my role as the head of a household has a lot to do with my relationship with Jesus. Non seulement ma relation avec Christ. First of all, my relationship with Jesus. Et aussi ma relation avec mon épouse. And it also affects my relationship with my wife. Et j'aurais voulu que tu ailles un peu plus en détail sur cette notion de têtrie. I'd like for you to develop that notion of headship a little more. C'est-à-dire ma position en tant qu'homme. Specifically, my position as a man. Vis-à-vis de Christ, donc qu'est-ce que First ça implique? All, qu'est-ce que ça implique dans ma dans cette relation before intime? Before Christ, what does that involve? Et la façon dont ça découle aussi sur ma relation avec mon épouse. And how that relationship affects my relationship with my wife. Yeah. Encore une fois, si je peux juste faire une pub pour les émissions de la plongée profonde. I can't refrain from talking to you about our Bible study that was on Tuesday night. Parce que là, on a eu quasiment 5 épisodes. We had 5 different episodes 6, on this topic. Qui duraient minimum 20 minutes à chaque épisode. Each teaching lasted about 20 Donc, minutes. Visiblement, on ne peut pas répéter tout. Dans les prochains menus que nous avons ici. I can't say everything in the next few minutes that we have together. Mais si peut-être aussi, si je peux juste peut-être apporter aussi mon propre témoignage. Mm-hmm. Perhaps I can just give my testimony. Parce que même pour moi, je suis vraiment au début de ces découvertes. I'm at the very beginning of this discovery. Vous vous rendez compte, chrétien depuis trop longtemps pour vous dire. You know, I've been a Christian for, well, too long for to tell you. Marié, ça va faire 34 ans. 33 ans. 33 ans. 33 years of marriage. Pasteur depuis 39 ans. I've been a pastor for 39 years. Et je découvre, là, à l'instant. I'm just discovering now. Cette révélation. This revelation. Et pour moi, c'est vraiment une révélation, déjà. And I must say, it is truly okay. A revelation. C'est pas juste 1, 2, 3, faites ça, et puis tout ira bien. It's not just 1, 2, 3, if you do this, then everything will go well. Je crois vraiment que les hommes, il faut une révélation. I really believe that men need this revelation. Et non pas forcément par rapport à ton rôle de tête. Not necessarily regarding your role as head. Et c'est ça le problème. Quand on lit des textes dans le Nouveau Testament, tout de suite, le réflexe, c'est de dire aux hommes, voilà ce que vous devez faire dans la maison. Mm. That's our tendency. That's our reflex. When we read the New Testament, we say to ourselves, okay, this is what men need to do in the household. Et on ne se rend pas compte. However, we don't realize. Qu'en fait, notre identité n'est pas innée à nous. That our true identity is not innate. Même, j'aimerais dire que cette révélation n'existe dans aucune culture humaine. In fact, I dare say that this revelation doesn't even exist in earthly cultures. Alors, même si tu trouves des cultures aujourd'hui, là où l'homme, il est plus masculin, ou au moins la masculinité est célébrée. Even if you find cultures today where masculinity is celebrated. Cela ne veut pas dire que c'est biblique. That doesn't necessarily mean that it's done in a biblical way. Même un homme qui peut être pas macho, parce que là c'est vraiment charnel, mais un homme qui est fort, qui gouverne sa maison. Even a man who's a real leader, and I'm not okay, talking about macho. Si il le fait dans un esprit autre que Christ. If he's leading in a spirit other than that of Christ. C'est charnel. It is totally carnal. Et c'est pas biblique. Fleshly. It's not biblical.
Donc, c'est pour cela que le plus grand défi pour un homme, c'est d'approfondir sa relation avec Christ en tant que sa tête. That's why it is essential for the man to deepen his relationship with Christ as his head. Et dans mes temps avec le Seigneur le matin, and in my morning times with Lord, j'essaie vraiment parce que j'ai toujours ce temps d'adoration. I always start with a time of worship. Où vraiment, je proclame la seigneurie de Jésus, la grandeur de Dieu. Je focalise. J'ai tellement de problèmes dans la vie. Because we have so many problems in life. J'ai vraiment besoin de me focaliser sur le fait que Dieu, il est plus grand que tout. We all will need to focus on the fact that God is greater than our problems. Mais là, j'essaie vraiment maintenant de prendre un temps. But now, recently, I've been taking a time. Et juste proclamer, Jésus, tu es ma tête. To proclaim repeatedly, Lord Jesus, you are my head. Et en méditant sur tous les textes dans l'évangile de Jean, là où Jésus, c'est clair que Jésus parle de cette égalité qu'il ressent avec le Père. And I've been meditating on all the scriptures in the Gospel of John, where it's clear that Jesus is speaking donc, to je the fais Father un petit peu la même chose. J'approprie pour ma vie personnelle. So I appropriate those scriptures in my personal life. Et rien que dire à Jésus. And so only saying to Jesus, for example, moi et toi, on est un. You and I, we are one. Franchement, ça fait même bizarre à mes oreilles. C'est comme si dans ma tête, il y a une espèce de... Ah ben non, quand même, il ne faut pas There's exagérer. Like a resistance tu vois, c'est presque pas la blasphème, mais pas loin. It's not blasphemy, but I'm thinking it's not Et c'est là où je me rends compte à quel point And that's where I realized cette révélation n'est pas vraiment bien fondée dans mon cœur. To what extent that revelation has not yet captured my heart. Et il y a une répercussion dans mon couple. And obviously there will be consequences in my marriage. La répercussion dans mes enfants. And in my children. Écoutez-moi, même une répercussion dans l'église. And even in the church. Si je peux vous dire, dans la grande majorité d'églises pentecôtistes. In the majority of Pentecostal churches. Le pasteur se voit comme Seigneur. Right. The pastor sees himself as the Lord of the church. Et non pas la tête. And not the head of the church. Parce qu'il n'a pas cette révélation. Because he doesn't C'est pas une critique. And I'm not Mes amis, j'y ai été. I was like that. OK, Dieu donne toujours grâce, même là où on est ignorant. God gives us grace when we're ignorant. Et cela, l'ignorance n'est jamais une bonne excuse. But ignorance is not an excuse. Et jamais un substitut pour la sainteté. Ignorance is never a substitute for holiness. Amen. Donc, pour moi, Pasteur Jean-Pierre, ça commence vraiment dans nos temps avec Jésus. Et encore une fois, si je peux vraiment, vraiment encourager les hommes de revoir votre relation avec Jésus-Christ. So, it all starts with your relationship with Jesus. I encourage Amen. You men to deepen your relationship Poursuivre with Jesus. Christ comme la tête. Amen. Pursue Jesus as your head. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Bien. Est-ce qu'on a des questions? Wow, on a. Do we have any questions, Pastor Samuel? Les questions se parlent. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Déjà, merci, Pasteur Robert, pour ces révélations. Thank you for the revelation, Pastor Robert. Tu sais, pendant que tu étais en train de parler, juste si je peux me permettre de rajouter quelque chose. As you were speaking, if I can just add one thing. Tu sais, c'est vraiment une révélation du message du royaume. This is truly a revelation of the message of the kingdom. Ce qu'on a appris dans le royaume naturel, le roi règne sur ces sujets. We see in the natural kingdom how the king is Lord. He reigns over his subjects. Contrairement au royaume de Dieu. But in the kingdom of God. Dieu règne avec ses sujets. God reigns with his subjects, not over his subjects. En tout cas, merci. Thank you for the revelation. Bon, je vais dégainer maintenant. Il y a des questions. Boy, there's tons of questions, so I hope we get to some of them. Premièrement, donc, selon 1 Pierre 3:6, pourquoi Sarah appelle son mari Abraham C'est la même question que j'avais posée. Si l'homme n'est pas Seigneur. According to 1 Peter 3, verse 6, why does the Bible say that Sarah called Abraham Lord? J'aimerais savoir si c'était un homme qui envoie la question à une femme. On a vu ça, c'est un homme. Was that a man or a woman who asked the question? It's a man. No doubt about it. OK, déjà, ce qui est vraiment fascinant, OK, avec ceci. This is what's fascinating about it. Et encore une autre révélation. And it's another revelation altogether. OK. En hébreu, le mot traduit Seigneur, c'est le mot Adon.
In Hebrew, the word for Lord is Adon. Et excusez-moi si ma prononciation n'est pas parfaite, I mais might not pronounce je suis pas loin. But okay. It's close to that. D'où vient le mot Adonai? Well, from where we get the word Adonai. Okay. Et en fait, il faut savoir que le mot Adon, the word Adon n'existe Hebrew, pas dans l'humanité avant le déluge de Noé. Does not exist in the context of humanity before the flood of Noah. Le mot est complètement absent. The word is totally absent before the okay. flood. Le mot Adon ne commence qu'à partir du déluge. The word Adon only appears after okay. the flood. Donc l'autre chose, le mot en Genèse où Dieu dit à l'homme et la femme de gouverner la terre, c'est un autre mot. A second point c'est is pas that le mot in Adon. Genesis, when God tells the man and woman to dominate okay. over the earth, it is not the word Adon. Donc, it's another word. C'est un mot qui signifie la gouvernance sans la domination. It is a Hebrew word which means governing without okay. dominating. Déjà, c'est la première chose. Très intéressant. Donc, là, on se demande où est la toute première fois que le mot Adon arrive. So where's the very first time that the word Adon dans le contexte d'un mariage. It's in the context of marriage. Surprenant, c'est nul autre que Sarah. It is in the case of Sarah. OK. Alors, vous vous souvenez l'histoire là où Abraham reçoit la visitation des deux anges et ils mangent ensemble. Do you remember when Abraham was visited by two angels and they et on pense que l'un des deux était une manifestation du Christ. And we think that one of the angels was a manifestation of Christ. Et celui-ci dit à Abraham. And that particular angel et donc Sarah était dans la tente. To Abraham and Sarah et elle espionnait un petit peu la she conversation. Was she was spying on the conversation. Et Christ dit à Abraham, à cette époque l'année prochaine, Sarah aura un fils. So Christ says to Abraham, at this time next year, Sarah will have a son. Et Sarah dit ceci. And this is what Sarah says. Comment c'est possible que mon Adon... How is it possible that my Adon, mon Seigneur, in other words, my Lord, me donne encore du plaisir? Gives me pleasure still. Le texte ne dit pas, est-ce possible que mon mari puisse me rendre enceinte? C'est pas ça le texte. The text doesn't even say, how can it be possible that my Ni, husband... que mon mari me donne encore un enfant. C'est pas le texte. That my husband would be able to give me a child. Mais que mon mari, mon Seigneur, me donne du plaisir. The exact word is, how is it possible Donc, that my Lord would give la me... la référence en 1 Pierre, mes amis. So, the reference in 1 Peter 3 n'a rien à voir avec la domination de l'homme sur la femme, has nothing to do with the man mais la capacité d'un homme à donner du plaisir sexuel à sa femme. But the ability of the man to give sexual pleasure y a-t-il un amen parmi les femmes mariées? Married ladies, can I hear you say amen? Vous avez posé la question, pas moi. Hey, you guys asked the question. It didn't come from me. Voilà. You want y a-t-il encore une autre question? OK, who wants to ask another question now? Ben je vois que ça rigole beaucoup dans la salle. Donc, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui veulent poser une question? Parce que je vous rappelle que vous pouvez aussi poser des questions, vous qui êtes en présentiel. Yes. Not just from Et le numéro s'affiche sur l'écran. Derrière. There is a number that Donc, you pour can les personnes qui veulent poser des questions dans la salle, send a numéro de téléphone. Text message. Donc, text si vous avez des, vous pouvez poser vos questions au numéro qui s'affiche derrière sur la salle. OK. Et pour les internautes, bien sûr, c'est dans le chat. OK. And if you're watching by internet, you can ask your question by chat. Ouais, c'est un sujet vraiment, vraiment délicat. Hein? This is quite an interesting subject. Et on a l'impression que, quelle que soit la façon dont tu présentes les choses sur la tétrie, the way you talked about headship, sur notre position en tant qu'homme, and as about our position as men, déjà on en a l'air un petit peu secoué et on descend de notre piédestal. I think it shook us up a little bit. We're coming off our pedestals. Et même à travers cette question, en fin de compte, on pensait pouvoir quand même être un seigneur grâce à Sarah. In that context, we thought we could be Lord because of what Sarah et said. Et même cette question se retourne un peu contre nous en tant qu'homme. But we
discover that the question is turning against us. Donc je ne suis plus posé de questions. En fait. I don't know if I have any more questions. Mais en fin de compte, ce que je vois, c'est vraiment la grâce de Dieu. What I see in it all is the grace of God. L'amour de Dieu et de voir comment les écritures ont été tordues. And the love of God and the way that scriptures have been perverted. Et tout à l'heure, tu disais que même ça a un impact dans l'Église, mais je crois que même en y réfléchissant bien, ça a même un impact sur la société. I believe it had an impact not only in the church but in society. Et que cette masculinité in the area of et cette image de têterie a été défigurée. You know, the whole idea of headship has been perverted. À tel point que ça a ouvert une porte au diable pour mettre vraiment la division entre l'homme et la femme. And it has opened the door for the devil to create division between men and women. Et de même voir ces mouvements féministes qui rejettent complètement l'homme, l'identité de l'homme. It produced a feminist movement which totally rejects the identity of men. Et je crois que nous, en tant qu'Église, on est passé à côté de quelque chose à cause de ce manque de révélation. Because of the lack of this revelation, I even believe the church has missed something essential. Donc comment aller plus profondément encore, Pasteur Robert, dans cette révélation, dans cette étude? So how can we go deeper in this revelation? Pour que vraiment cette masculinité soit restaurée. To see true masculinity fully restored. Déjà dans l'Église et ensuite dans la société. And then consequently in the society. Excellente question, Pasteur Jean-Pierre, merci. Very good question. Pour moi, on vit un véritable défi, mais pour une fois, je vois vraiment une lumière au bout du tunnel. We do have a challenge, but for the first time ever, I think I see a light at the end of the tunnel. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, on parlait de la masculinité, mais c'était une version un petit peu du monde, mais blanchie. I think up until now we've spoken about masculinity, which is actually defined by the world and somewhat sanctified. Et on se disait, parce qu'on est mieux que ceux du monde, c'est bien. And we say, well, because we're better than the guys in the world. C'est une forme biblique, parce qu'on est mieux que les gens du monde. We're biblical, so we're better than the people in the world. C'est juste que lorsqu'on commence à vraiment comprendre la culture céleste. However, when we truly begin to understand the culture du royaume, of heaven, the culture, on se rend compte que en blanchissant la culture du monde, ça reste toujours la culture du monde. We realize that even if you try to sanctify the world's culture, it's still the world's culture. Et c'est pas la culture du ciel. And it's not the culture of heaven. Donc, je pense vraiment que déjà, pour nous, en tant qu'hommes, il faut que nous passions plus de temps ensemble. So, first of all, I think men need to spend more time together. Dans un objectif de poursuivre cette notion d'une masculinité biblique. To encourage each other to pursue the biblical notion of masculinity. Qui n'est pas basé autant dans la force que dans le courage. Which is not based on strength, but on courage. For example. Le courage, c'est quelque chose vraiment céleste. Courage is something that comes from heaven. N'est-ce pas? Right. Quand tu vois un gars qui agit, qui est faible, qui est le plus petit gars, mais mince, alors il voit que quelqu'un se penche sur ses enfants, donc il se lève. Ouais. You see that kind of courage in a father, even though he feels alors, weak or small. Il sait qu'il n'a aucune chance de gagner. Il le sait au fond de lui, il le sait. Children, even if he can't et win. Peut-être il se fait massacrer, mais il le fait pour protéger but ses enfants. But he is going to do everything in his power to protect his children. Ça c'est pas un exemple de force, c'est un exemple de courage. That's not an example of strength, and it's an example of courage. Et quand on voit de tels exemples-là, ça nous inspire. And we see those examples, and we're inspired. Ça nous donne une sorte d'espoir pour l'humanité en général. And it gives us some kind of a hope for humanity. Même les gens du monde respectent le courage. Even people in the world respect courage. Ça, c'est juste un seul exemple pour and that's just one example. De la différence entre la culture céleste et la culture du monde. Of the difference between the culture of this world and the culture of heaven. Tu vois, là où nous devons vraiment nous mettre, c'est pas dans notre force. We shouldn't depend on our strength. Que ce soit force émotionnelle ou physique ou même spirituelle. Physical strength, emotional strength, spiritual strength. Mais vraiment de cultiver une culture qui célèbre le courage. But be ready to celebrate the culture of courage. Là où un homme se lève le matin et il décide, il voit plein de choses devant lui, une partie qu'il aime faire, une partie qu'il n'aime pas faire. I'm talking about the man who wakes up in the morning, has a whole list of things to do, parts of which he likes to do, other things he doesn't like to do. Okay, la tendance d'un garçon, c'est toujours faire ce qu'il aime faire. What does a boy do? A boy is going to do the things et he likes. Et s'il a du temps, and if he has time, ou quelqu'un sur le dos, il fera la partie qu'il n'aime pas faire. Or if somebody is insisting on it, he'll do what he doesn't like to do. Tu vois, un homme,
pour but moi, a man, il for prend me, la liste, he looks at that list, il dit, OK, c'est une question de courage. And this is where he reveals courage. Qu'est-ce qui exige plus de courage dans ma vie? Which things on this list require more courage? Amen. Pouf, j'attaque ça. That's what I'm going to go for first. Alléluia, c'est ça, il me faut. That's what it is. Et croyez-moi, les sœurs qui sont ici, toutes les femmes ici, and all the ladies in the room, de la plus sanctifiée jusqu'à la moins sanctifiée, from the most sanctified to the least sanctified, ce qu'elle cherche plus, you know what she's looking un homme for? De force, un homme de courage. What is she looking for, a man Mesdames? Of courage or a man of courage? Un courage, évidemment. Aucune hésitation. No hesitation. Aucune hésitation. Tu vois, amen. Vaut mieux mettre sur toutes les salles de sport. And that's what we should put in the gyms. Courage d'abord. Courage before strength. Amen, amen. Je te rejoins tout à fait. Je crois que nous avons quatre questions dans la salle. We have four questions here in the room. Let's try to get some. Je vois que ça a inspiré certains d'entre vous. Encore des questions sur Sarah, peut-être. On a vu. They're not all about Sarah, I hope. Il y en a beaucoup, oui, c'est vrai. Juste rapidement, pour quelqu'un qui a posé une question sur le chat, juste pour vous dire, si, comme le pasteur Robert vous a encouragé d'aller regarder donc, sur Plongée Profonde, certainement, lorsque vous allez regarder sur ces 5-6 derniers épisodes, vous allez avoir la réponse à votre question. Juste pour une question de temps, on ne veut pas vous abréger, bien au contraire, allez-y sur RKB Ministries sur YouTube, vous allez pouvoir avoir vos questions à vos réponses. If your question doesn't get answered today, please go to the Bible study called Plongée Profonde on the YouTube channel called RKB Ministries. Voilà. Pasteur Robert, j'espère que tu vas dégainer parce que là, il y en a tellement. Je choisis. Plouf, plouf. Non, je rigole. Je ferai plus vite. Parce que déjà, ce qui est intéressant, quelqu'un a dit si la Bible française est mal traduite, est-ce qu'on devrait arrêter de lire la Bible en français? Here's one question. If the French Bible has been poorly translated, should we stop reading that version? Bien sûr que non. No, don't stop reading your Bible. Bien sûr que non. Mais je comprends la question. Je But comprends I vraiment la question. Et puis, si je peux me permettre de faire encore une pub, à la rentrée scolaire, je lance notre prochaine école de formation. I'm going to be starting our next training session starting in September. Justement, dans la science de l'interprétation des Écritures. And it will be about the science of interpreting Scripture. Et on va voir comment, quelle que soit la traduction de la Bible, and we're going to be learning about how, no matter what version of the Bible you read, lire la Bible seule, on ne parviendrait pas toujours à la bonne conclusion. We will learn that reading only okay. the Bible will not lead us to C'est the right conclusion. Je l'ai dit, non pas pour dénigrer la Bible, Now, au contraire. I'm not saying that to denigrate the Bible, but c'est juste pour dire elevate the Bible. On peut lire la Bible pour nous inspirer dans notre vie personnelle. We can receive inspiration for our personal lives. Et si on veut vraiment développer une bonne maîtrise de la parole de Dieu, but if we want to master the là, word of God, il faut devenir un maître dans l'étude. We need to become good students, masters voilà. of the Bible. Okay. Et là, cela exige énormément de temps, de patience, de and travail. This requires a lot okay. of time and energy. Voilà. Patient. Amen. Peut-être juste en parenthèse, vous savez qu'il existe plus de 450 traductions de la Bible en anglais. Do you know that there are more than 450 translations of the Bible in English? Mm. En français, How devinez. Many in French? Guess. Même pas 100. OK, moins que 20. Less than 20 in French. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour dire que l'anglais, c'est meilleur. Non, it's c'est not pas saying ça. English is better. No, okay. that's not the c'est point. Juste pour vous dire que vous avez peut-être un peu plus d'expérience en anglais que vous avez avec l'ancien hébreu et l'ancien grec. It's just to say that you might have more experience okay. in English than Donc, you do in Hebrew or Greek. Le mieux, c'est apprendre le grec et l'hébreu pour lire la Bible dans les langues d'origine. Is to go to the original languages, Hebrew Mais si vous parlez Greek. Déjà un peu d'anglais, Now, if you speak a little bit of English, okay, procurez-vous une bonne traduction en anglais. Get a good English translation to le help you. Le plus répandu et la meilleure mot pour mot traduction, c'est le New American Standard Bible. The best one you can find in English is called okay. the New American Standard Bible. Okay, c'est la meilleure traduction mot pour mot. If you consider word by word translation. Voilà. Amen. Amen. Merci. Oui, je vais mettre deux questions dans une. D'accord. Okay. D'accord. Premièrement, c'est une femme qui pose la question. Que signifie ne faire qu'un avec un homme? Et dans un deuxième temps, les femmes célibataires n'ont pas de tête, étant donné que
Bon, tu as compris la suite. Je pense que ça, on en a discuté sur Zoom. Okay, two questions arise. What que signifie faire un avec un homme? What does it mean to be one with a man, and what does a single woman do in terms of her headship? Mm-hmm. Excellent. Donc la promesse, et je vous rappelle que la promesse d'être un est la dernière chose dite dans l'histoire de la création. The promise to become one is the last thing said in the story of creation. C'est extraordinaire. It's really extraordinary. Quand on réfléchit bien. Think about it. C'est la dernière chose qui est dite, même avant l'arrivée de Satan. It's the very last thing that was said in the garden before Satan arrived. On est dans la perfection du jardin. So we're talking about the perfection of the Garden of Eden. Et Adam fait cette déclaration, cette prophétie. And Adam prophesies. En tant que tête. As the head. L'homme quittera son père et sa mère. The man will leave his mother and father. Il se collera à sa femme. He will be attached to his wife. Collera. He will be glued. Glued okay. to his wife. Et les deux deviendront une seule chair. And they too will become one flesh. Alors encore, j'ai touché sur ceci dans l'un des épisodes, mais je peux le dire très brièvement. I'll say it briefly. Alors, pourquoi Dieu a décidé que les deux deviendront une seule chair. Why did God decide that the two shall become one flesh? Malachi chapitre 2 nous dit. Malachi chapter 2. Et encore une fois, Louis Segon, il passe à côté de. And once again, désolé, Louis, Louis je t'honore. Quand même, tu avais un bon boulot, mais bon, là, t'as vraiment raté. Dieu permet à ce que les deux deviendront une seule chair pour obtenir la semence du juste. They are becoming one flesh to obtain the seed of the righteous. It's very specific. La semence du juste. The seed of the righteous. Moi, je crois absolument que Dieu a déjà vu l'arrivée de Satan dans le jardin. I believe that God saw that Satan would come into the garden. La plus grande victime du péché. And the greatest victim of sin. C'est l'unité du couple. Is the unity between the man and the wife. Dieu dit à la femme, tu désireras désormais ton mari. Because then God said to the woman, you will desire your husband, but he will dominate over you. L'égalité est brisée. And that's where we see that equality L'homme was broken. N'est plus la tête de la femme. And the man was no longer Il the head seigneur de la femme. Of the wife. He became the Et ceci Lord. Jusqu'à la nouvelle alliance en Christ. And that lasted until the new covenant in Christ. Mm. Et pour moi, Dieu, voyant l'arrivée de Satan, voyant déjà la destruction de la tête, God saw the arrival of il Satan, prophétise à travers Adam. C'est la dernière chose dite dans la perfection du jardin. And the last thing he said over Adam in the garden, pour nous donner cet espoir, in order to give us a hope, que vers la nouvelle alliance en Christ Jésus, and direct us to the new covenant un temps viendra, the time will come. Alléluia. Où Dieu va restaurer le couple. Where God will restore his plan, his Il restaurera his aussi la tête de l'homme en He Christ. Will restore the headship of la tête the de man, la femme dans son mari. The headship of Christ on man Et and the dans headship le of the contexte de la têterie de l'homme, and in the context of headship, avec sa femme, the man ils vont with amener the wife dans le monde will bring into the la semence du juste. The seed of Et c'est the righteous. À travers cette semence. And it's through the seed of the righteous. Que la gloire de Dieu remplira la terre. That the glory of the Lord will fill the whole earth. Amen. Mes amis, l'espoir pour le monde n'est pas l'Église. The hope for this world is not the church. C'est la famille. It is the family. Amen. Amen. Alléluia. Et j'ai oublié la deuxième question. Et peut-être femme célibataire. Femme célibataire. Oui. Ah oui, mesdames, my precious sisters. Alléluia, je vous aime avec tout mon cœur. I love you with all my heart. Écoutez, on a un phénomène social aujourd'hui qui n'existait pas dans la Bible. There is a social phenomenon that exists today that didn't exist in the Bible. Et beaucoup de nos problèmes, quoique ce n'est pas un problème, le défi. The challenges that we see today. C'est que on a ce phénomène social qui n'a jamais existé au temps biblique. Are related to that social phenomenon that didn't exist in Bible times. Une femme était toujours chérie dans la société, toujours chérie dans les cultures influencées par l'apport de Dieu. In the cultures that were influenced by the word of God, the woman was
La femme était chérie. She was cherished. Okay, Proverbe nous dit que la femme devient la couronne de son mari. Proverbs tells us that the woman becomes the crown of her husband. Donc, qu'est-ce qui est plus exalté, la tête ou la couronne? So what is higher? What is more exalted, the head or the crown? Amen, c'est la couronne. That's right. Okay. The crown. Donc, la femme devait rester sous le toit de son père. The woman would remain under her father's roof. Gardant son papa comme sa tête. Keeping her father as her head. Jusqu'au jour de son mariage. Until the day she was C'est pour ça que nous posons toujours la question au début de la cérémonie de mariage. And that's why we say at the beginning of a wedding ceremony. Qui donne cette femme dans le mariage? Who gives this woman in marriage? La femme ne quitte pas son père et sa mère. The wife is not leaving her mother and C'est father. L'homme qui quitte. That's the man. La femme est donnée par papa et maman. But the woman is given from the father and mother to the man. Pourquoi elle est donnée? Why given? L'homme n'est pas donné. The man is not given. La femme est donnée. The woman et pourquoi? Is given. Parce que c'est elle le trésor. Because she's the treasure. Amen. On donne la couronne. You give the crown. Donc la femme, elle est donnée. So she is given Alors, to the man. Honnêtement, j'ai pas une très bonne idée qui va faire la une des journaux du monde pour la solution de la femme célibataire. I don't have a solution for single women in today's day and age. A good solution. Comme un homme qui déjà dépense un bon tiers de sa vie et qui n'est pas marié. In the same way, I don't necessarily have one for men who are more than a third of their life into their life and they're not married yet. Encore une fois, c'est un phénomène And that's another social aujourd'hui social phenomenon qui n'existait pas au temps biblique. Of our day that didn't exist in Bible times. Un homme depuis à peu près l'âge de 8 à 9 ans, 8, 9, 10, At the age of 8 to 10 years old, on lui disait, voilà, on te prépare pour que tu te maries. A young man was already starting to be prepared for marriage. La fille, entre 8 et 10, on lui dit, on te prépare pour le jour où tu seras marié. And they would tell the young ladies of 8 to 10 years old, you're going to start being prepared for your marriage. Everything. Toute l'éducation était faite pour All the education la famille. Was in Aujourd'hui, la famille passe en secondaire. But today, the family has taken si, second place. Si la famille y passe. If the family has c'est any carrière d'abord, what do we do? Temps seul après, vacances, loisirs, our pleasures, ton our plein potentiel leisure, à toi, vacation. Parce que gloire à toi. Et on ne parle plus de la famille. And we don't talk about the family anymore. C'est une plaie. And I believe it is c'est a, une plaie, mes amis. Plague. Plague, thank you. Et il faut corriger ça, surtout dans l'Église. That needs to be corrected. Vraiment qu'on cultive une culture qui reflète la culture du royaume. So that the culture of the church reflects Amen. The culture of the kingdom. Il n'y a pas plus grand honneur que de se marier. There's not a greater honor than Maintenant, to be si tu n'es pas marié, ne veut pas dire que tu es rejeté, Now, if you're not married, that marginalisé, doesn't mean you're rejected or ou que tu n'es pas désirable. Or that you're not desirable. Okay. Non, ce sont des mensonges du diable. These are lies of the enemy that Amen. You need to break. Juste parce qu'on a un dysfonctionnement dans le social, Just because you see a dysfunction n'ouvrons pas in le cœur encore plus aux mensonges démoniaques. Doesn't mean you have to open your heart to demonic okay. lies. Je me pose la question si dans le contexte de notre communauté ecclésiale, I wonder sometimes in our context of the church s'il n'y a life, pas une place pour ceux des hommes qui ont un peu plus d'âge que d'autres, qu'on agisse comme une sorte de tête de secondaire en quelque sorte. I wonder if there isn't a place for the older gentleman in the body of Christ to take a role of head. Le seul contexte biblique que je trouve pour cela, c'est ce que Paul dit au Timothée par rapport aux veuves. The context I find in the Bible regarding this would be what Paul says to Timothy regarding widows. Il rajoute le mot les vraies veuves. And he specifies real Mais en fait, c'est une référence widows. Aux veuves qui n'ont aucun membre de famille. This refers to widows who have no other family members. Okay. Une femme qui perd son mari. Now, a woman who loses elle her est à husband la charge de son fils. Is the responsibility of her son. Donc la fille devient la tête. And so the son becomes the head of the widow. Mais s'il n'a pas de fils.
So what if she okay, doesn't c'est have un a son? Oncle, c'est un cousin, c'est cousin, encore un membre de famille. An uncle, another member si of the elle n'a vraiment aucun membre de famille, however, if she has no other member of the family, là, elle entre dans une catégorie de vraie veuve. That places her in the category of true widow. Et là, elle devient, elle vient à la charge de l'Église. And that is the church's responsibility to take care of her. Et je me demande si, avec la situation actuelle dans notre société, si les femmes célibataires n'entrent pas un petit peu dans cette catégorie. C'est une question que je me pose, ce n'est pas une conclusion auquel je suis arrivé. Okay. I'd wonder if single women would fall into that category. Je sais qu'on a dépassé notre temps. Désolé. Je cherchais vraiment à donner les réponses les plus courtes possibles, mais parfois ce sont des questions qui exige une bonne réponse et faire courte, c'est un peu perdre. Posera plus de problèmes que de solutions. Mm. Voilà. Et c'est vrai que cette dernière question était vraiment très, très, très sensible. Et je crois que ça mériterait qu'on y réfléchisse et qu'on se pose pour vraiment répondre un peu plus précisément par rapport à nos sœurs célibataires. Et donc, comme il nous reste peu de temps, on va prier. Donc, Pasteur Jean-Pierre, oui. je me suis poussé à dire à quelqu'un là-bas, à quelqu'un qui nous regarde, une femme célibataire n'est pas malade. I feel led to say that a single elle n'a woman pas is une not maladie. A elle ne souffre woman. Pas de She's not suffering from an illness. Elle n'est pas lèpre. She's not like okay. a leper. C'est une femme. Elle est précieuse. She's a precious Amen. C'est une woman. Couronne. A crown. Qu'elle soit posée sur la tête d'un homme aujourd'hui ou pas, mais elle est toujours Whether une couronne. Whether that crown is sitting on the head of a man today or not yet. Une femme ne devient pas une couronne une fois qu'elle est mariée. A woman does not become a crown once she's married. Désolé, je suis un peu ému. Une femme est une couronne, point barre. A woman is a crown, period. Mm. Elle n'a pas besoin d'un homme pour être une couronne. A woman does not need a man to be a crown. Mm. Amen. 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 Wow. Ça chauffe ici. Ça va tout le monde? Vous êtes bien? C'est un peu difficile de passer dans un temps un peu pratique, de sauter dans un temps pratique, simplement pour vous dire qu'il n'y aura plus de prière par Zoom à partir de ce dimanche-là. Starting today, we're not going to have our prayer team available by Zoom during the service. Donc parce que on voit que même si on a mis ce service en place, ben ça répond pas à un besoin. Even though we put that service in place for you, it doesn't necessarily meet the needs. Par contre, nous savons que des personnes ont besoin de prière. However, we know that people are needing prayer. Donc vous pouvez écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, deux adresses qui s'affichent sur votre écran. And we have two addresses to which you can write that are appearing si on your vous screen. Avoir la prière. Need prayer support in any Donc, il y a des personnes qui recevront vos demandes. There are people who receive your email. Et qui prieront pour vos demandes ou même vous contacteront s'il le faut. And will pray for you or in some cases even contact you. Et une dernière chose pratique, la semaine prochaine, dimanche prochain, nous avons la FAQ des pasteurs. Ah oui. Oh. Mm. C'est vrai. Next Sunday we have the forum FAQ for pastors. Oui. Huh. Donc tout de suite après le culte. Immediately after the Sunday service. Et le thème, ça sera sur le racisme. And the theme of the forum is racism. Okay. Un autre thème un peu sensible. On dirait qu'on aime bien les thèmes sensibles depuis quelques temps. We seem to be talking about very sensitive issues these days. Mais je crois qu'on va passer un temps dans la prière par rapport à tout ce que nous avons reçu ce matin. Especially for what we've heard this morning. Tout ce que nous avons reçu à propos des hommes, à propos de la tête. What we've received for men and regarding to headship. Et aussi à propos des sœurs en tant que couronne. And Amen. For women who are the crown. Donc prions. Amen. Let's pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit-il.
Hallelujah. Père très saint, nous te remercions pour ta sainte présence ce matin. Heavenly Father, thank you for your holy presence. Et merci Seigneur de la façon dont tu coules en tant que l'esprit de révélation. Thank you for the spirit of revelation. Et Père, nous prions afin que tu mettes davantage de lumière, Seigneur, sur cette révélation. We pray that you would shed more light on this revelation. Afin que nous soyons cette église des derniers temps, Seigneur. So that we would be the church of the last days. Cette église qui brille dans toute la révélation, la manifestation de qui tu es. A church that shines with the fullness of the manifestation of who you are. En tant que l'épouse de Christ. As the bride of Christ. Et Seigneur, nous te remercions pour les guérisons que tu vas opérer maintenant dans le cœur des hommes et des femmes. Thank you now for the healing power that is operating in the hearts of men and women. Qui ont assisté, Seigneur, à ce culte. Who have heard this message. Que ce soit en direct ou que ce soit en différé. Whether they be in this room or watching by internet or later in the week. Nous prions, Seigneur, que cette semence qui vient du ciel. We pray for the seed that has come from heaven. Puisse porter du fruit, Seigneur, dans le cœur de chacun d'entre nous, dans la vie de chaque famille représentée. Would bear fruit that remains in the heart of everyone who heard it and in the family of all. Et que cette révélation, Seigneur, libère les captifs et les captives. That this revelation would set the captives free. Et brise tout mensonge qui a été proclamé sur ton peuple. And break the power of every lie that has been proclaimed on your, over your people. Et merci Seigneur pour cette vérité qui libère les captifs et les captives. Thank you now for the truth that sets people free. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Et Papa, nous te demandons de vraiment faire un nettoyage de nos âmes. Father, we ask you to purify our souls. De toute trace de ce qui est l'image d'un homme dans le monde. Of every trace of the world's image of a man. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment que tu écrives à nouveau sur nos cœurs. That you would write a new thing in our hearts. Et que tu nous donnes cette identité de ce qu'est un homme à tes yeux. That you would reveal the identity of what a man is in your eyes. Un homme courageux. A man who's un homme courageous intègre. And full of integrity. Un homme fidèle. And faithfulness. Seigneur, il y a tant de qualités qui viennent du ciel. There are so many qualities that come from heaven. Qui sont spécifiques à un homme, pas uniques, mais spécifiques à un homme. That are very specific for men. Et Seigneur, nous voulons vraiment que tu écrives ceci sur les tablettes de nos cœurs. Père, je prie pour moi-même. I pray for myself. Je prie pour tous mes frères et sœurs. Je prie pour tous mes frères, pardon. Myself and my brothers. Je prie pour les sœurs dans un instant. Mais je prie pour tous les frères que tu fasses ce miracle dans nos cœurs. Do this miracle in the heart. Hallelujah. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Et Seigneur, je prie aussi pour nos sœurs précieuses. I pray for my precious celles qui sont mariées. Those that are married. Mais qui ne ressentent pas vraiment la couronne aux yeux de son mari. Those that have not received that crown. Je prie aussi pour mes sœurs qui ne sont pas mariées. I pray for those that are not married. Qui n'ont jamais vraiment eu ce sentiment d'être vues comme la couronne. That have never seen themselves as a crown. Mais que tu restaures, Seigneur Dieu. You restore now. Cette identité qui vient du ciel. That identity from heaven. Car la couronne ne vient pas d'un homme. Because the crown does not. Un homme accepte la couronne. Come from a man. C'est pas lui qui la donne. C'est toi qui la donne. The man doesn't give the crown. You give the crown. Hallelujah. Et Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus and we declare now que tu fasses un miracle dans le cœur de chaque homme et chaque femme in the heart of every man, en écrivant sur nos cœurs and every woman, l'identité qui vient du ciel by revealing their identity that comes from au heaven, nom de Jésus in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais juste insister sur cette parole que Pasteur Robert a donnée. I just want to underline one last word. Ce que Pasteur Robert a dit, cette parole, je prends vraiment que cette parole est pour quelqu'un. This specific word is for someone. Que tu n'as pas besoin d'un homme pour être valorisé. You do not need a man in your life to be valued. Déclarons que we ce mensonge soit détruit. Amen, amen. Every lie amen. Is destroyed. Au nom de Jésus. In the mighty name sois libéré. Be free. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen, amen. Alléluia. Et Seigneur, nous proclamons ensemble aujourd'hui
dans chaque couple où l'esprit de division a pu rentrer maintenant dans le nom de Jésus. Nous bannissons cet esprit qui vient de l'ennemi. Nous bannissons les mensonges qui ont accompagné ces esprits. Nous bannissons les doutes, les peurs, les images tordues qui sont entrées dans les mariages. Et nous déclarons qu'aujourd'hui est le jour de restauration des couples mariés. Restoration over married couples now in Jesus' name. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Nous arrivons au terme de notre culte. Amen. Alléluia. Je crois qu'on a vraiment vécu un bon moment, un moment très fort dans la présence de Dieu. Donc gardez cette semence, gardez cette révélation du Seigneur. Watch over that revelation that God has sown in your heart. Afin que vous vous comportiez comme la tête. And begin to act like the head. Et que vous soyez honoré comme une couronne. And be honored as the crown that you are. Donc soyez bénis. God bless you. Soyez une bénédiction. Je vous rappelle qu'à partir de midi, starting in 30 minutes, nous aurons un temps d'adoration. We will have a time of worship. Prophétique. It'll be a prophetic time. Intercession. Qui s'appelle La Fontaine. And you are all invited to stay for La Fontaine. Donc vous pourrez suivre en direct de vos maisons ou si vous.